guys, j'espère que vous allez bien, Steven Chef. C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, tournage à l'école des fusiliers marins de Lorient. On va avoir du sport et encore du sport. Ça va être cool. Vous êtes prêts? C'est parti! Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus à l'école des fusiliers marins commando. Donc aujourd'hui, on va effectuer des tests physiques. Est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que vous avez bien mangé? Oui. Tout le monde est en forme? Oui. Pas de pression. Si vous êtes stressé, vous ferez un mauvais score. Qui veut faire commando? D'accord, c'est jouable, il suffit de s'entraîner, c'est pas surhumain. Commandant, enchanté. Bonjour Thibaut. Commandant, ici, où est-ce qu'on est alors? Alors ici, on est à l'école des fusiliers marins. On est à Lannister, juste à côté de Lorient. Okay. C'est une école qui forme à la fois les fusiliers marins et les commandos de la marine. Arnaud, du coup, c'est parti. Je vais passer aujourd'hui les tests de sélection pour entrer dans l'école des fusiliers marins. Quelles vont être du coup ces épreuves de sélection? Première épreuve biométrique qui sont les tractions. Ensuite, on va passer aux abdominaux. Ensuite, les appuis faciales, en l'occurrence les pompes. Ensuite, on va venir sur la piste comme on est actuellement, faire le 20 méval. En l'occurrence la course à pied. Et du coup, si on réussit ces épreuves, qu'est-ce qui se passe? On va vous recruter. Avant de commencer la vidéo, un grand merci à World of Warships Legends de sponsoriser la vidéo. C'est un jeu en ligne massivement multijoueur où on peut jouer à 9 contre 9. La plus grande partie des bateaux que vous allez retrouver dans le jeu ont vraiment existé dans la vraie vie. Et ça, c'est incroyable. Ce jeu est gratuit. On peut y jouer sur Xbox, PlayStation 4, PlayStation 5 et tout ça à partir de 7 ans. Donc ça va, il y a de la marge. Dans ce jeu, vous retrouverez plein d'univers et de paysages différents, mais aussi plein de bateaux. Comme des croiseurs, destroyers ou même des porte-avions. Donc c'est parti, à vous de jouer. Lancez-vous dans des batailles navales intenses où il faudra faire appel à votre stratégie et votre mental. Vous pourrez même faire évoluer vos navires et vos commandants dans des paysages magnifiques. Comme ça, quand vous jouerez, vous aurez l'impression de voyager. En plus, ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de mises à jour, donc le jeu évolue tout le temps. Comme ça, on s'ennuie jamais. Et parce que vous êtes nouveau joueur, cliquez sur le premier lien qui est dans la description pour récupérer plein de bonus et plein de récompenses. Comme le navire croiseur Aurora, le navire destroyer Smith, 7 jours premium, des boosters et plein de camouflage. À vous de jouer. Maintenant, retour à la vidéo, c'est parti. Première épreuve de la journée, on doit réussir 10 tractions. Attention, la technique est importante, il faut passer le menton au-dessus de la barre et bien déverrouiller quand on est en bas. Donc on va commencer par Thibaut. Vous avez pas de magnésie, non? 1 2 3 7 9 Ok. Traction validée. Prochain exercice, abdominaux. Il faut réussir à faire 50 abdominaux en gardant bien les mains sur les épaules. C'est parti. 1 En haut, en bas. 3 En bas. 8 15 22 36 42 50 Ok. Abdos réussi. Ok, prochaine activité des sélections, 40 pompes. Il faut bien que les pecs touchent le plot. Allez, c'est parti. 1, en haut, 2, en haut, 3, 13, 20, 23, 38, 40. Ok, 40 pompes réussies. Pour l'instant, c'est le plus dur parce que les pecs, c'est un muscle qui se congestionne très très vite. Bien penser à bien souffler. Mais c'est cool, ça s'est bien passé. Un fusilier marin, alors qu'est-ce que c'est? C'est quoi son rôle? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? À quoi ça sert? Ça sert à protéger les installations sensibles de la marine sur le territoire national et à l'étranger, à terre et sur les bateaux. C'est de quel âge à quel âge alors? Aux alentours de 17 ans jusqu'à à peu près 30 ans. Il me reste un an, ça veut dire. Oh là là. J'ai pêché. Oh là là. Il faut le bac. Entre bac et bac plus 2. On va effectuer l'épreuve du 20 méval. Donc il y a des plots tout au long de la piste. Il y aura des bips et à chaque bip vous devez être au plot. Si vous n'aimez pas courir, faut pas venir. Nous sommes des fantassins, on fait tout à pied. Allez, à tout à l'heure. 3, 2. Allez gros. Pour l'instant ça va. Faut bien prendre son rythme, être relâché. Palier 1. Putain. 30 secondes. Palier 3. Ça accélère. Palier 6. Palier 9. Palier 11. Palier 11. Palier 12. Palier 12. Allez Titi. Palier 14. Palier 14. Allez, lâche pas poulet, allez, allez, allez. Allez, t'es pas mal, allez poulet. Palier 15. C'est super. Allez poulet, allez, allez, allez. Putain. Ah. Ah.
Palier 16, je suis content. Ça va ou quoi? Tu veux un sucre? Ah, ça va. Je vais poulet. Ok, donc palier 16. Donc le minima c'était 14. J'aurais aimé faire un petit peu plus. C'était cool déjà, je suis content. Selon vous, quelles sont les qualités d'un bon fusilier marin? Il faut avoir le goût de l'effort, vouloir défendre son pays, travailler en équipe. Comment je me suis débrouillé? Félicitations Thibaut, tu as réussi les épreuves de fusilier marin. Tu vas pouvoir intégrer la formation. Merci beaucoup. Ok, donc les épreuves de sélection c'est terminé. On a réussi. Maintenant c'est parti pour la formation des fusiliers marins. Let's go. Du coup Cédric, première activité, qu'est-ce qu'on va faire de beau alors? Premier exercice, ça va commencer par la marche de 8. 8 mètres. 8 km. Ah. Ah. Ok, très bien, très bien. Tu vas devoir courir avec un sac. Combien il pèse le sac? 11 kilos. Ok, donc il faut envoyer quand même. Faut envoyer. T'es prêt? Go. Donc ça sert à quoi ça? C'est pour chronométrer. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour les gars. Salut. C'est vrai que le sac de 11 kilos, on le sent quand même. Dans un premier temps, on cherche à pas aller trop vite. On cherche à que le corps il monte en régime, qu'il soit bien chaud. Ensuite, on trouve une allure de croisière. Ok, ouais, se mettre dans un bon rythme. Les 8 km, ils doivent le faire une seule fois ou plusieurs fois? Je peux pas prendre les 8 km, ils le font plusieurs fois. Au début, juste avec un sac à 7. Après, ils passent avec le sac à 11. On aura l'arme. Quand on s'engage en fait ici, pas besoin d'être un sportif pour avoir le goût de l'effort. Il faut une bonne préparation quand même. Si les gars arrivent avec une condition physique au dessin, ils se repréparent dans le civil et ils repostulent par la suite. Allez, go. Merci les gars, merci. Allez Thibaut, allez, allez, allez. Le corps se réveille là. Là j'ai les ischios, les fessiers, toute la chaîne postérieure là. On est à Lorient, il fait pas trop chaud encore, ça va. Allez, un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Allez, on soutient. Voilà, le rythme est bon. Hein. T'es presque à la moitié gros, allez. On va qu'il y a une petite préparation physique avant. Ouais, ça va, je m'entraîne. Est-ce que la formation des fusiliers marins, on est rémunéré? Oui, bien sûr, entre 1000 et 1300 euros par mois. Est-ce qu'ils sont nourris, logés, blanchis? Oui, bien sûr. Ouais, allez, c'est bien, donne tout, ça va ou quoi? J'ai un point de côté. Ah, t'inquiète, c'est dans la tête. C'est vrai, courir avec un sac de 11 kilos, ça pareil. Bonjour les gars. Merci. C'est chaud en treillis là. On va attaquer une montée, genre là. On va attaquer la côte. La vue est très jolie. Ça serait mieux avec un cocktail et un transat, mais c'est bien. Allez poulet. Allez, allez, allez. Bonjour. Toujours être poli. Allez, allez. Oh, jusqu'à la fin. Allez, bon. C'est fini. Le goût de l'effort. Allez. Ouh. Bien joué poulet. Ah putain. Ah. Bien joué mon gros. Ah. Ah. C'est lourd le sac? Ah, un peu. Ah putain, ça arrive, ça fait longtemps que j'ai pas couru. Elle est trempée déjà. Merci, c'est la récompense. Vous avez pas des shakers de protéines, non? Comment il s'en est sorti alors, chef? Très bonne foulée. Okay. On voit qu'il y a une bonne préparation physique. Donc non, cool. C'est bien. Il fera un bon militaire. Ah, merci beaucoup. Une bonne recrute. Il y a beaucoup de gens qui disent ça commence à m'inquiéter. Ouais, niveau mental, ça a bien tenu. Bonne foulée et tout, non, ça s'envoie, c'est bien. Cool, merci beaucoup. On récupère et on passe à la suite. Ok les gens, donc là on est avec Arthur, ça va ou quoi? Ça va très bien. La forme pas trop fatiguée? Non, ça va un petit peu, ça tire, mais. Ça tire un petit peu. Du coup, t'as quel âge? J'ai 22 ans. T'es arrivé dans la marine quand du coup? Je suis arrivé début avril. Et pourquoi la marine alors? Pourquoi la marine? Parce que j'ai toujours été attiré par ça. Et niveau sport, comment ça se passe alors? C'est un bon niveau, voilà, faut tenir le rythme. Après, si on s'est bien préparé avant, ça le fait. C'est quoi une journée type à l'école des fusiliers marins? Une journée type, bah, on se lève assez tôt, vers 5h30. Voilà, on se prépare, on va manger dès le début. Il y a quoi au petit déj? Du pain, du beurre, du miel, un peu de Nutella. Et... des œufs ou pas? Non, il y a pas d'affaires. Aïe aïe aïe. On a plein d'activités différentes, cours et du sport. On mange le midi, puis après l'après-midi, reprise des activités, pareil. Après le soir, bah. Soit on fait un peu de sport personnellement, après on a une heure d'études pour réviser les cours. On va sur l'armée en général, à connaître le monde militaire. Fin de journée vers quelle heure à peu près? Fin de journée, fin d'études vers 20h. Vous avez le wifi et tout pour les séries ou quoi? On n'a pas de téléphone. Ah mais non, vous n'avez pas de téléphone? Non, on n'a pas de téléphone la semaine, mais c'est aussi bien, ça permet de perdre son temps sur le téléphone et de se reposer. Du coup, ça renforce vachement la cohésion d'équipe, non? Ça renforce la cohésion d'équipe, oui, totalement. Ça évite de rester dans son monde. Puis de toute façon, 5 jours sans téléphone, ça fait de mal à personne. Exactement. Est-ce que quand on est une femme, on peut devenir aussi fusilier marin? Oui, bien sûr. Les femmes peuvent devenir aussi comme... Oui, bien sûr. François, du coup, qu'est-ce qu'on va faire de beau là? Eh bien, aujourd'hui, je te propose de faire une séance de tir. Ça veut dire technique d'intervention opérationnelle rapprochée. Et l'idée, c'est de pouvoir récupérer certaines techniques de sport de combat et les adapter au milieu dans lequel ils vont être employés, c'est-à-dire l'opérationnel. L'idée, c'est de savoir se défendre un minimum, quoi. Exactement. Bon, ben, c'est parti alors pour l'exercice. Toujours en garde, je sors de là. Coup de pied circulaire dans sa jambe avant. Bah, tu penses envoyer la hanche? Oh, tu m'as tapé dans les couilles. On va saluer. Tu mets les pieds joints, le bras droit sur le cœur. Tu vas faire chercher comme ça. Après, t'as les pieds. C'est vrai que t'as les pieds en plus, putain. Le but, c'est vraiment de bouger en permanence pour éviter de rester dans le cadrage de ton adversaire. Voilà. Si, c'est trop bien, merci. Merci à toi. Je me rapproche de lui, je fléchis bien mes jambes en gardant le dos droit. Je fais un pas, je le saisis et je l'emmène directement au sol. C'est bon? Oui, c'est bon. Deux colonnes face à moi, un mètre entre vous. Dépêchez-vous, allez. Voilà, c'est ça. J'avance, je viens et je le percute. Oh
Maintenant, tu fais tout d'une traite. Ok, je fais un lâche en deux temps là. Là, tu te protèges ici. Essaie plutôt de venir les coudes en avant. Parce que l'idée, à la base, c'est de pouvoir rentrer directement en coude. Donc voilà, c'est mieux. Oh, oh. Merci beaucoup. Mon plaisir, à bientôt. Ou pas. Concrètement, un fusilier marin, il est appelé sur quel type de mission alors? La mission principale, le cœur de métier du fusilier marin, c'est de l'intervention. De surveiller, il fait de la patrouille, de la surveillance. Okay. Et lorsqu'il détecte une intrusion, ou lorsqu'on lui dit qu'il y a une intrusion, c'est là qu'il intervient. Donc le vrai métier, le cœur de métier du fusilier marin, c'est l'intervention. La bagarre. La bagarre, c'est ce que nous on appelle le combat. Prochaine activité, qu'est-ce qu'on va faire de beau alors? Petite activité nautique, tu vas devoir descendre l'échelle qui est là-bas, qui amène à la fameuse cuve. Tu vas devoir t'immerger, que le corps s'habitue déjà à la température de l'eau. Ensuite, un joli plongeon, il y a un petit 50 mètres à faire en nage. Et là, ton but, c'est de plonger à environ 4 mètres, de voir le plongeur. Donc là, l'eau, elle est pas mal trouble. Donc il va falloir bien ouvrir les yeux. Ah ouais. Il te fait le signe, ok, nickel. Tu remontes. Ça sert à quoi de faire tout ça alors? Ça renforce le caractère des jeunes et ils se posent pas la question. Ils voient leurs camarades à l'eau, on va le sauver. Un conseil à donner ou pas? Là, profite. Ça marche. Alors, c'est parti. Allez. Allez. Dans quelle galère je me suis encore foutu quoi. Mets-toi au niveau de l'échelle. Ok. Allez, allez, passe au mur. C'est bon. Viens, je te passe en sang, il n'y a rien qui dépasse de la surface de l'eau. Ah bah elle est pas très, elle est pas. Allez, allez, ok, allez. Ok, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Je suis pas très bien plongé hein. Eh bah tu fais du mieux que tu peux, sinon tu recommences. Allez, suivant, suivant. C'est pas le plus gros bon aujourd'hui, bon. Mais... T'as pas l'affaire. Elle a combien l'eau à peu près là? Là, elle est bonne, elle est à 20 degrés. Ça va, là, on a de la chance. Allez, Thibaut. Souffle bien. Le but, c'est d'aller chercher son camarade, d'aller le sauver. Faut bien souffler, comme ça, on arrive avec du souffle pour aller chercher le plongeur. C'est bon, tu peux sortir. Succès. Bien joué, poulet. Ok. C'est profond 4 mètres. Ah oh, putain, j'ai de l'eau plein le nez. Ça a été... Ouais. Bonne expérience. Ouais, 4 mètres, c'est pas si près, hein. Ah non. Ça va, Thibaut, quoi? Ça va, j'ai de l'eau un peu dans le nez, mais ça va. Du coup, quand on rentre dans l'école, il y en a pour combien de temps alors? Il est parti pour 14 semaines de formation. Tant que j'y pense, la Team Shape, dites-moi dans les commentaires quel est votre bateau préféré dans le jeu World of Warships. Les croiseurs, les destroyers, les porte-avions. Dites-moi lequel vous préférez en commentaire. Florent, prochaine activité, qu'est-ce qu'on va faire de beau? Et ben là, Thibaut, tu vas faire une descente en rappel, suivie d'une remontée sur échelle spéléo, genre d'obstacles qu'ils peuvent retrouver sur le terrain, que ce soit à terre ou en mer, pour monter à bord d'un navire par exemple. Un conseil à me donner peut-être avant? Les jambes. Pousser tout se passe jambes. Dans les jambes, Thibaut. Ça marche, allez, le jour des jambes, c'est parti. On met le casque. Ouais, vous avez checké, c'est bon là? Ouais, c'est bon. Ok, oui, ça va. Tout vérifié. Ok, ok. Mettez-vous en arrière. Gentiment, vous allez mettre les fesses dans le vide. On descend les fesses. Une fois que vous avez la position assise, vous pouvez commencer à descendre. Et là, vous pouvez commencer à marcher. C'est ça. Voilà, on pousse pour marcher. Et on ouvre en même temps. Là, je suis bien là. Vous lâchez tout doucement la corde. Super Thibaut, allez. Oh, ça, petite balade du dimanche. On est bien, on passe un bon moment. Ok, nickel. Oh, on en aura fait des choses avec YouTube. Okay. Nickel, merci beaucoup. Ça va Thibaut? Ok, c'est bon, on est là. Bon, ça va être un petit pouce bleu à Team Shape, on va de la vidéo, ça fait toujours plaisir. C'est, l'ascenseur, il est où du coup pour remonter là? L'ascenseur? Bah ouais. Quel ascenseur? Ah d'accord, l'échelle là, l'échelle spélo, c'est l'ascenseur. Ouais, c'est ça, on a chacun la nôtre. Donc un conseil, pense bien à pousser d'abord sur les jambes. Les mains, c'est vraiment pour te rapprocher contre l'échelle. C'est un peu d'avance. C'est gentil. Allez Thibaut! On est là. Pouf, nickel. J'adore ça. Parfait. Ah, c'est bien, ça réveille les jambes. Parfait, merci. C'est bien, trop cool. Ça paraît rien l'échelle spéléo, mais à chaque fois ça te défonce. Bien joué Thibaut. Très cool, très sympa. À l'échelle spéléo, faut taquer, pousser avec les jambes pour s'économiser le haut du corps et notamment les biceps. Bien joué. Allez, on passe à la suite. La Team Shape, dites-moi dans les commentaires quel est votre jeu vidéo de guerre préféré. Lâchez-vous. On a rendez-vous à l'île Saint-Michel, c'est l'île qui se trouve juste là-bas. Et là, on va faire une activité qui est la plus importante à mes yeux, manger. Ça fait tellement du bien la mer là, ça fait trop du bien le vent et tout là. Ah, je suis refait. Ration de combat individuelle. Unboxing, c'est parti. On a ici des biscuits de campagne, ça c'est quelque chose qui va remplacer le pain. Ici on a une barre aux céréales du coup. Une barre de nougat aux fruits, ça le chocolat noir. On a le muesli, des boissons isotoniques. Oula, salade mexicaine, ça frétille dans le ventre. Des mouchoirs pour se moucher, uniquement. Uniquement. Cacao au café, barre protéinée au café, barre de fruits, rillettes. Putain, y en a des choses hein. Fromage fondu. Cette ration de combat les gens, elle est faite pour durer 24 heures. Du coup Daniel, toi ton rôle au sein de l'école, qu'est-ce que c'est? Alors c'est quoi ton job ici? Alors moi mon job c'est d'être instructeur. Est-ce que pendant la formation y en a qui perdent du poids et qui se musclent par exemple?
exemple? Ah, ça dépend des morphologies. Il y en a beaucoup qui perdent du poids parce que effectivement, bah ouais, c'est physique. D'autres qui prennent de la masse musculaire. Dans quel pays sont envoyés les fusiliers marins? Par exemple, le Mali, etc. Ou... Ils peuvent être envoyés un peu partout. Il y a des exemples peut-être à donner? Je peux pas vous donner d'exemples. On n'a pas le droit de le dire. Non. C'est top secret. C'est top secret. Ouais. D'accord, très bien. Ok, Team Shake, prochaine activité. On va avoir besoin de casque anti-bruit. Tout se passe ici au stand de tir. A tout de suite. Gilles, qu'est-ce qu'on va faire comme activité du coup là maintenant? Donc là, vous allez faire un tir, d'accord, au nouveau fusil qui est en dotation dans les armées, le HK416 en version courte, calibre 5,56 par 45. Pourquoi à l'école on apprend à tirer justement? Un fusilier marin, dans le cadre de sa mission de protection ou au combat, doit savoir se servir d'un fusil d'assaut. Bon, bah du coup, c'est parti? On y va. Allez, go! Là, tu te fais plaisir, c'est toi le patron. Faut éviter de transmettre ta crispation musculaire et ta nervosité à l'arme. Ça chauffe, hein? Le bruit que ça fait, c'est incroyable. Du coup, comment je me suis débrouillé alors? Pas trop mal, hein. Je pense que, okay, effectivement, on peut dire pas trop mal. Merci beaucoup. Au plaisir. Est-ce que les tests de sélection, ils sont faciles alors? Alors, ils sont faciles si on est correctement entraîné. Pour se préparer, c'est principalement de l'endurance, de la course à pied, un peu de crossfit pour avoir pour explosivité, monter en charge pour être explosif. Donc voilà. Donc pensez à vous préparer. On le disait, cross training, crossfit, de la course à pied, un peu de muscu pour les pecs ou pas? Bien sûr. Voilà. Pour les pecs, faut être beau. Faut être beau. Faut être un beau marin, voilà. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un exercice que les fusiliers marins sont amenés à faire. Et l'objectif, c'est de protéger le bateau qui est derrière moi. C'est parti. Ok, la Team Shape, dans le long couloir qu'on a là, ça s'appelle la coursive. Là, ils ont repéré un bateau pas gentil qui arrive près de nous, là. L'embarcation fait toujours route convergente sur le bâmot. L'ennemi réagit pas, ils foncent sur nous droit devant. Marine nationale, l'embarcation, identifiez-vous. Les méchants, ils se sont rapprochés de nous beaucoup trop. Oh là 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 là. Pour un tir d'avertissement. Ça va tirer. Tir d'avertissement. Oh là là. Jésus-Marie-Joseph. C'est un gros avertissement quand même. Ok les gens, c'est bon, le bateau méchant s'est éloigné. On a entendu plusieurs tirs d'avertissement pour leur faire peur. Et je pense que le bateau a eu un petit peu peur, effectivement. Ok, la Team Shape, là, il y a une patrouille qui est déclenchée. Il y a un bateau qui arrive directement vers les méchants. Donc là, c'est bon, le bateau méchant, en fait, c'était juste des pêcheurs qui vendaient des patates. Donc rien de grave. Cependant, attention, il y a un autre bateau méchant qui arrive tout droit vers nous. Et là, ils sont en train de s'en rendre compte, là. Le bateau méchant, il est juste là. Coup de feu, coup de feu, coup de feu. Ouh. Oh. Ok. Le bateau méchant, il nous tire dessus. Du coup, on réplique. Et le bateau continue d'avancer, merde. Oh, c'est chaud. Ok, capacité à l'ennemi. Ok, là il change d'arme. Attends, feu. Embarcation neutralisée. Est-ce que vous avez un message d'encouragement à donner aux personnes qui vont regarder la vidéo et qui vont passer peut-être ces tests de fusiliers marins? Oui, c'est déjà de s'entraîner, d'oser venir chez nous. Et lorsqu'ils sont chez nous, on fera tout pour qu'ils soient formés et adaptés à leurs opérations. Magnifique, bon courage. À bientôt. À présent, à Team Shape, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici. Nouvelle vidéo dans 3 jours. Et regardez une autre vidéo en cliquant là. Allez-y, lâchez-vous. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum.